тим провод експлуатив сва. Чинеси да се пасе да кажем, ќе му рете кимежи. Ме, лоден кафе да вил. Le padre m'a presque supplié de vous voir ici chez lui. Il m'a expliqué que votre mauvaise conduite présenterait des circonstances atténuantes réclamant une certaine discrétion. Bien tout ça, c'est du mystère pour moi. J'ai hâte d'en savoir plus long. Qui a commencé la bataille? Si c'est ce que vous voulez dire, c'est moi qui ai fait cette première. Mais comment êtes-vous arrivé là? Il est venu seulement au padre hier soir, il peut peut-être continuer. Je n'ai pas l'idée de l'inventer. Seulement donnez-y le temps, il est pas venu. Écoutez, mes gars, ne commencez pas à vous chamailler, hein? Ben, on est parti ensemble du camp pour aller faire un tour en ville après souper. Il dit, viens-tu pas d'un coup au Monaco? J'ai dit, d'accord. En chemin, il rentre d'un restaurant, marchandait un porte-cigarette qui l'avait frappé dans la vitrine. Moi, pendant ce temps-là, je me flirte à une fille sous le trottoir. Ça fait que, on s'installe au Monaco. Tous les trois? Oui. Je paye 3-4 consommations à ma fiancée, à ma fille, dans ma propre poche. Tout d'un coup, il se met à lui tourner autour. Puis la première chose que je sais, je suis assis en face d'eux autres, puis je les regarde se jouer d'un cheveu. Je lui dis de cesser ça. Il fait ni une ni deux, il saute sur moi, puis il se met à me cogner la gueule. C'est vrai, ça? 100%. Après tout, c'était sa conquête à lui. Oh, c'est pas comme un follet. Seulement pour vous dire qu'il est tellement drôle à voir, lui, en train d'embobiner une fille. Il n'y a pas le tour sans les chacuns. Ça fait que j'étais tenté de lui montrer comment s'y prendre. Oui. Seulement pour croire que ça y a début. C'était pas le moment. Et vous lui avez donné des coups quand il vous a fait comprendre que ce n'était pas le moment? Tout juste. Seulement, j'ai oublié de vous dire comment il me l'a fait comprendre. Répète-le donc, on s'amuse. Oui, oui, je vais t'en laisser la jouissance. Je lui ai dit, toi, lâche ma blonde, si vous me dites bâtard. Oui. Ensemble, vous avez eu tort tous les deux. Vous le frappez et vous lancez une telle injure. Surtout quand celui qui l'assoit en est un problème. Pourquoi? Un bâtard, oui. Ah, c'est bête, mais c'est comme ça. Ah, puis 100%. Né à crèche de mère inconnue, puis de père du même poil. Puis il va à l'hospice jusqu'à ce que je m'en sauve à l'âge de 15 ans. Je m'appelle Arthur Saint-Jean. Prénom, je me demande où est ça, l'on péché. Mais Saint-Jean vient du fait que j'ai été baptisé le jour de la Saint-Jean-Baptiste. Ouais, je suis un enfant d'amour, comme on dit. Un petit mot dit bâtard, si M. Prévert. Mais vu que c'est pas de ma faute, il n'y a pas un enfant de chienne qui va me lancer sa face sans savoir mon poids à même place. Vous le saviez, vous? Qui en est un? Pas le moins du monde. Moi, ma grande conscience, j'ai dit ça tout bonnement. Comme toujours, quand je suis monté contre quelqu'un. Ça prouve que c'est un imbécile. Il résulte de tout ça que vous avez échangé les coups en public. Vous savez la punition pour un délit de cette nature? Une semaine de consigne. C'est au début le 23 décembre, ce qui signifie pour vous deux le congé de Noël au camp. C'est dommage. Ah ouais? En se dérangeant maudit. Quoi? Moi, personnellement, je m'en sac. Mieux que ça, si vous voulez me savoir ce congé-là, je m'entends pas à la caserne. Vraiment, on s'en plaît. Comme j'ai ni père, ni mère, ni oncle, ni tante, ni cousine connue, manquer une réunion de parents, ça me laisse frais. Et évidemment. Les fêtes, c'est peut-être bien en avalant pour vous autres, légitimes. Ça vous donne la chance de vous prendre en paix et de vous caresser l'un de l'autre de la province. Vous les gars de ma sorte, c'est plutôt tranquille. On est pas mal tout seul au coin de la vie, étant donné qu'à Noël, même les guédounes vont dans les familles. On va revenir à la punition. En ce qui me concerne, soyez bien à l'aise. Si votre conscience vous dit de me punir parce que je vais donner un coup de poing à monsieur, parce qu'il m'avait traité de bâtard, parce que j'ai pensé à plus à sa blonde, qui était peut-être cet homme de fille à tout le monde, allez-y, puis sans rien non plus. On peut fumer, ça? Bravo. Vous aussi, Désilé, ça vous amuserait de passer votre congé au camp? Ah, voyez-vous, c'est probablement notre dernier Noël avant de traverser là-bas. Toute la famille va se réunir, sans compter que qu'est-ce que vous voulez, c'est pas donner à tout le monde d'être bâtard. Oui. Mais monsieur, c'est une chose. Lui, ça l'embête, moi, ça m'est égal. Dans le fond, c'est moi qui ai commencé à chicaner. Fait que laissez-les donc aller. Donnez-moi deux punitions, vous êtes pas plus fou le mois de temps, je vous vois. Non? Vous êtes à blâmer tous les deux. Si j'en punis un, il m'est impossible d'excuser l'autre. Écoutez, monsieur, au fond, moi, je regrette ce que je lui ai dit. Je voulais pas l'insulter. J'étais un peu éméché, puis jusque-là, vous étiez bons amis. On s'est rarement sauté au cou, mais c'est la première fois qu'on se pète la gueule. Bon, alors, ici, celui qui a une famille.
avait la bonne idée d'inviter l'autre chez lui pour le coacher des fêtes. Pourriez-vous accorder un sursis? Ah, moi, je serais bien prêt à l'amener. Puis il sera bien reçu à la maison. Oui. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Moi? Je dis que je l'avais. Hier encore, j'y cognais à Fionne, puis peut-être qu'il m'invite chez eux pour salir la vaisselle de sa mère. Oh, j'ai oublié, ça. Alors, comme c'est fait, donc on en finisse. Au lieu de vous garder rancune, vous apprendrez à mieux vous connaître. Et puis, les amis, une fois outre-mer, vous n'en aurez jamais trop. Oh bon? Peut-être réglé. Merci, monsieur. Ce n'est pas de vous remercier, c'est le padre. Il a mis ton nez dans mes affaires encore une fois. Je vous remercie bien gros, padre. Et toi? Vous direz ça quand je viendrai. Il va y avoir une trolley de moi qui ouvre. Ça pourrait, j'ai trois frères et quatre sœurs. J'en ai cinq de ma vie. Et moi, tu sais quoi? Bon, la plupart, nous prenons le million. Les autres vont arriver demain. Ça me gêne, les affaires-là. Les réunions de famille, moi, j'en ai à peu près autant que demain. Avec l'étiquette et les bonnes manières. Moi, je suis. Les bonnes manières, dans la famille, chez nous. Moi, je suis loin. Oh, he's
Comme ça, ça marche pas de minute, là, quoi. Même si, je vais être à la maison pour le souper. Mais, je m'en prends très très fort. C'est ça. Puis, vous allez faire un bon voyage? Ça a tout été jusqu'à cette entrée. Puis, rendu là, Léopold a été obligé de mettre ses chaînes à cause de la neige. Ça va être que le saut même, j'espère. Et donc, Nora, comment ça va? J'ai les pieds gelés jusqu'au lombril. Et c'est ton lombril. Mais mon Dieu, le grand dit tout ça avec mes quatre en fait qui salive. Oh, c'est ton père de plancher loin des siennes. Daniel, je crois que tu connais tout le monde ici de Dux, puis je suis Kevin, et Yotikot. Quel justement a eu les gars, bonjour, monsieur. Alors, vous dépassez ça avec nous autres? Eh oui. Préparez-vous, vous allez avoir du plaisir. Oh! Moi, j'aurais tellement honte à vous aussi. J'en ai depuis trois semaines. Bon, ben, reste pas comme ça. Prends ton courage à du vin. On va te présenter, ma chère. Gala? Gala, c'est M. Serrant. Enchanté, M. Serrant. Ça, c'est une enfant de Marie. Ah, oui. Oui. Ah, 51 millions de vies dans la couture. Ça, c'est peut-être rien qu'une couverture pour cacher sa vraie fonction. C'est comme comprendre. Alors, comme je suis plus de ta famille, ben, elle vient s'entrer ici avec les soins du jour de l'heure. Pourquoi l'écouter, vous savez? Qu'as-tu déjà commencé à bastiner son petit whisky blanc? Non, ça, je n'aime pas commencer. Mon petit frère, écoute ça. Est-ce que c'est notre journée, ça, c'est la fois, non? Et elle, tu vas y prendre une plonge, t'enlever une mèche. Elle est toujours écrivante, pareil. Vous allez tout de suite en haut. Mon deux affaires de M. Saint-Jean aussi. Vous coucherez tous les deux dans la chambre du petit gars. Vous allez avoir le lit de mon garçon, Roda, avant qu'il se marie. Roda, ça, c'est mon plus vieux. Il est forgeron à l'autre bout du village. Un garçon, Roda, depuis le matin de ses noces, il découche à pas de bon sens. Ouais, ben, y est, toi, puis y est, toi, c'est toujours. Bon, ben, bonne santé. Ah bon? C'est le temps des fêtes. On n'a plus besoin de se cacher pour prendre un coup. Salut. Bon, ben, Samir, tu vas arrêter d'engraisser, puis tu vas lui servir le souper. Ben, je commence à avoir l'estomac de... Ça sera pas long, tu t'es prêt. Je vais aller prêter, mais... Attends, c'est les temps de neuf, parce que... Bon, on a tombé, toi. Mon garçon, t'as pas parlé de depuis que t'es arrivé, là? Ah oui? Ah, je comprends qu'on est des inconnus pour toi, mais il vaut mieux que tu te déjailles au plus vite, hein? Tu restes 5 jours, les fesses faire une main, tu vas être malade. D'abord, les histoires de M. Saint-Jean, donc comme le bras, là, c'est fini, ça. Oh, bah, t'as pris un petit coq, là, aussi. Oui, tu vas voir. Il faut du monde bien bien gênant. D'abord, on n'est pas riche, on n'est pas supérieurement gênant. Non, on n'est rien qu'une famille d'ouvriers dans le village de Saint-Anicet. Alors, la Stabritz, nous autres, on ne connaît pas cette guerre. Pour te mettre à l'aise tout de suite, au cas où tu allais faire main ou l'autre, ben, c'est la deuxième porte à gauche en haut de l'escalier. Attends, Jean-Paul, je suis prêt. D'abord, on sait qu'on est prochain. Mais on sait bien pas même tout ensemble. Ça fait que passe pas de bac. Nous autres, ils sont pendant les fins. On se niche passant presque à parenter comme des veaux qui se traitent des oreilles jusqu'à la quatrième génération de l'humour. Papa, t'es prêt? Mais c'est là. Eh bien, chouette, là. C'est bien dommage d'être fou. Et t'as riche, tu ferais ton salaire, tu garderais ici des points. Ah ben, quoi se manger, hein? Ah, si, bon appétit, ouais. Ouais, et j'ai oublié de te dire. Si tu fais la tape, tu vas partir d'ici, mais oui. Mais je t'attends pas qu'on t'en donne, je crois du vent. Parce que l'île d'hier, c'est toi qui a inventé le téléphone. Mais pour la vengeance, I
Les uns les autres comme des morceaux de puzzle. Je comprends que tu sois plus versé.
première journée, j'avais à mon soirée. Je résistais, en me disant tous ces collages-là, c'est de la niaiserie et du sentiment. Puis tout d'un coup, ça m'a pris par en dessous, comme une tentation. Une tentation me laissait faire peut-être. Puis j'ai tombé dans le piège, oh là. Comme une fille qui aurait dit non pendant longtemps, puis qui un beau soir ouvrira la barrière. Une fille qui sera bien attrapée après parce qu'elle n'aura pas le courage de la fermer. Alors tu regrettes ton congé? En tout cas, il m'a mis un petit verre dans la pomme. Même un gros verre. Entre nous deux, là, j'en ai perdu gros dans ma jeunesse, moi, à cause de cette boîte à 10 là. Faut pas vouloir à tes parents. Oh, je n'en veux pas. À chacun ses embêtements dans la vie. Ma mère a porté sa misère pendant quelques mois, puis moi, ben, j'ai porté le reste. Faut croire que vous ne pouvez pas te garder. C'est bien ce que je me dis. À quel âge as-tu pris conscience de ta condition? Oh, je devais avoir environ 12 ans. Longtemps, j'ai pensé que ma mère devait être une belle princesse, comme dans les contes de fées. Une princesse qui s'amènerait un beau matin avec une mèche de cheveux, puis qui dirait aux révérendes sœurs et pastilles: ce beau jeune homme blond est mon fils, le prince Euthyr. Son père, c'est le premier ministre. Seulement quand je me suis rendu compte que les princesses étaient plutôt rares dans ma voie, j'en suis venu. Quant au premier ministre, maintenant que je le connais, ça m'étonnerait bien gros qu'il soit mon père. Je me demande pourquoi je mets des boutons devant vous comme ça. Ça tire pas? Ouais. Et d'habitude, je lave mon linge sale à la famille. Seulement depuis l'autre fois, c'est plus fort que moi qu'il faudrait le faire. J'ai personne avec qui me débrouiller le cœur. Personne à part moi? À part vous, oui. Il faudrait pas vous en planter avec ça. Alors, tout ce qui me touche, c'est la marque de confiance que tu me donnes. Je vous l'ai dit, j'ai pas le choix. Je vais vous prendre une cigarette, Jean-Marc? Je t'en prie, je peux garder tout le paquet, si tu veux. Tout le paquet? Merci. Tu comprends pourquoi c'est des gars qui viennent à confesse, si tu veux? Évidemment, tu as perdu beaucoup de bonheur dans ta jeunesse. Mais l'avenir peut changer bien les choses. On en tiendra à toi. Comment ça? Le jour où tu épouseras une bonne petite fille, tu feras partie d'une famille, toi aussi. La sienne? Eh oui, tu auras des beaux-parents, des beaux-frères, des belles-sœurs, des cousins, des cousines, des oncles, des tantes. Et des enfants à aimer, comme tout le monde. Ouais. J'y avais pensé, c'est vous. Seulement, je voulais vous laisser dire parce que tu sais, je vais la poser, toi. J'y avais pensé. Ouais. Dès le lendemain de mon anniversaire. Tiens. Parce qu'il y a une sœur, ouais. Une sœur de Jean-Paul? Oui, bien cher padre. Et tu crois que tu pourrais l'aimer? Si je pourrais l'aimer, les pieds battus à terre. Ça sera pas une corvée. C'est une belle petite fille. Ben, plus que ça. Rien que fait de danser avec elle dans le salon, je chavirais le canot d'écorce au point que je m'en accrochais dans tous les meubles. Pourtant, je sais que tu connais ça de danse d'habitude. Seulement, que je sois fou d'elle ou non, c'est pas la question. Y a-t-il des chances pour qu'elle en vienne à me trouver de son goût, elle? Pourquoi pas? Vous m'avez regardé en pleine face. Un gars comme moi, rien que sa mère pourrait le trouver beau. À condition qu'il y en ait une. L'apparence physique n'est pas tout ce qui compte dans la vie, tu sais. Le bon Dieu est juste. Il répartit les qualités. Hein? Aux uns, il accorde l'harmonie des traits. Aux autres, le charme que donne la sincérité du cœur. Non, non, je ne vois rien d'impossible à ce qu'elle en vienne à t'aimer. Elle aussi. Oh, si vous parlez même. Continuez. Vous soyez un sacré bon élève. Seulement, la sœur de Jean-Paul, c'est sûrement une petite fille propre. Mais c'est peut-être. La femme va respecter. Oh, craignez pas. Je sais que c'est pas une fille à ça. Avec elle, les mains sont couvertes. Pas à cause du péché, puis qu'il faut le flou au fumier des pendules le moins souvent possible. Ça, pour moi, c'est assez vrai. C'est merveilleux. Quand on se sent crotté, puis qu'on veut sortir de sa graisse. On ne s'allie pas lourd avant de se lever avec, Paul. Justement. Autre chose. La fille que j'aimerais au point d'y glisser un bon dans le doigt. Laissez-moi vous le dire, j'y serai fidèle de la tête aux pieds, puis d'un dimanche à l'autre. Encore une fois, il ne faudra pas me prendre pour un buveur au minute. Selon moi, voyez-vous, les situations irrégulières. J'en ai plein le dos, étant donné que je suis venu au monde, les fesses dedans. Crois-tu qu'elle pourrait s'intéresser à toi, elle? Marianne. Pour être franc, pour ça, je pense que oui. On doit sortir ensemble, je lui dis. Eh bien, quoi de plaintu? D'autant plus que c'est elle qui a amené la question sur le tapis en venant dans le train. Non, j'ai beau me faire des peurs, j'ai l'idée que ça marcherait une idée.
Il y a des choses dans l'amour qu'on ne dit pas, mais qu'on sent. En plein vrai. Alors, t'as pas à t'inquiéter. Oui. Seulement, il y a un autre maudit problème. L'affaire de ta famille. L'histoire de mes glorieux ancêtres, oui. Ça ne m'en dit rien. Tout ce qu'ils pensent là-bas, c'est que je suis orphelin. Êtes-vous d'avis que ça les supprimerait bien gros, elle et ses parents, s'ils apprenaient que... Non. T'es pas responsable de la faute des autres. C'est sur tes actes à toi qu'on juge là. Certain. D'ailleurs, le pauvre petit chien perdu qui se colle après vous dans la rue, hein. C'est ton levain. Son père, c'était peut-être un chien de race. Alors, je te répète, tu n'as pas à rougir de ta condition. Cependant, je crois que... il vaudrait mieux lui dire la vérité à elle. Hein? Vous pensez que... Oui. Autrement, il pourrait en vouloir plus tard de lui avoir témoigné si peu de confiance. Oui. Alors, ça va nous faire un tête-à-tête délicieux. Quand est-ce que je devrais? Le plus tôt possible. Si par malheur, elle manque de jugement pour accorder d'importance à une telle question... Oui. Pas de bêtises, non. Autant le savoir avant de t'attacher à elle. Pas vrai? Vous savez, c'est déjà pas mal tout à fait. Eh bien, j'en parlerai jeudi. Enfin, si tu entres le temps d'ici là, prie un peu pour que ça s'arrange. Oh, vous savez, le bon Dieu, il m'en a tellement donné dans le passé que ça me gêne de l'apprendre encore. Pour en venir à mariage. D'après vous, je serais plus mieux d'aller danser jeudi. On va dans la vie qui prend des mains. Bien, ça me fait. C'est vous qui conduisez, mais il semble toujours que je vais où vous voulez aller. Avec la plupart des garçons, un contre quoi, ça va long. Vous aimez ça, la dame? Moi? Oh, je raffole de ça. Oh, c'est fou ce que ça me fait, la dame. Quand je tombe au milieu de la dame, je pense que la fin de monde arriverait sans me déranger. Mais vous faites qu'il y en a d'autres, vous ne trouvez pas ça trop léger, vous? Pas de danger. Madame Clara, elle, est prise en petite fille qui danse, passe leur temps à commettre des péchés mortels. Pauvre. Comme ça, ça vous a plu notre soirée ensemble? Ben gros, ma tête tout belle. Mais pourquoi vous passez toujours ma tête tout belle? Ça vous choque? Non. Comme notre soirée, c'est assez bizarre. Et vous saviez ça? Est-ce que j'ai gardé mon air en tête du coup? J'avais de la vie. C'est plutôt que vous faites penser à quoi? À un petit mouchoir blanc tout neuf, quand même des petits. Alors, j'aime plus le corps qui en garde. Un mouchoir pour se rire, pour se toucher. Non, un petit mouchoir de moi. Ah, vous êtes drôle. Mais c'est pas tout bon, vous avez tout ça. À cause de mon caractère, probablement. Pour rien, je... Vous montez sur vos dépenses. Je peux vous appeler Scott, mon fils? Mon vrai nom, c'est Papi. Oh, moi, j'appelle! Moi, Germaine, je te présente, monsieur Arthur Saint-Jean. Ma cousine, Germaine Lachance. C'est chez elle que je te mène. Enchantée, monsieur Saint-Jean. Bonne soirée, n'est-ce pas? Oh, oui. J'appelle ma cousine, mais c'est une parente de moi. Je pense que son grand-père fumier était cousin Germain. Elle a une amie, puis trois mois. Un vieux veuve de 39 ans. Ah! Oh, ça taquine avec sa vieille poisse. Mais ça m'arrange qu'on habite ensemble. Parce que mon père aurait d'être sauté au plafond si j'avais voulu loger toute seule en ville. Je ne voudrais pas aller vivre chez ma tante Clara pour tout l'or du monde. Ça sent le vieux circulaire à plein nez dans ma chambre. On a un appartement d'une pièce et demie. C'est meublé sans bruit dans son, mais c'est propre. Là, le balcon en haut. Je l'ai très bien monté, seulement. À ce heure-ci, les voisins chanteraient. Ce sera pour nous, soit. Si ça vous sourit de revenir, comme de raison. Disons, samedi soir. Non, avant d'accepter, il y a un aveu que je dois vous faire. Un aveu plaisant? Si je suis allé chez vous pour le congé des fêtes, c'est pas parce que je suis affamé. C'est plutôt que... C'est qui ça? Jean-Paul? Oui. Quand? Le jour de Noël. Samedi soir,
Thank you.
C'est doux comme un été. Tu mets ton drame quand tu arriveras, brûle-toi. J'ai déjà pas peur, moi je suis prête. Je suis sûrement avec mes sujets. Quand même, je vais être responsable des pieds un peu. Peux-tu te priver de danser une soirée de temps en temps? Tu aurais peut-être les orteils un peu moins sensibles. Ma chère, maman de me passer le danger, mais ne m'envoie jamais d'arrêter de danser. Ça me dirait que tu rappelles. C'est pas plus fort que mon vouloir. Allô? Allô? Bonne fête, mon monsieur. En fait, moi? Attends. Un vrai baiser, ça se prend lentement. D'abord, il y a le désir de te désirer. Oh, je le désire depuis longtemps. De loin, oui. Mais de près, c'est encore bien meilleur. Savoir qu'un cas qui vient comme un fou, ma demande-là. Je vais vous embrasser dans 10 secondes. Dans 5 secondes. Dans 2 secondes. Voyez-vous, ma belle toute neuve, le grand corps devant les hommes, c'est d'embrasser une femme avant qu'elle en meure dans le sang. Oh! Que t'embrasses bien. Oui, j'embrasse bien, Dieu, merci. Oh, il n'y en a pas d'autres comme toi. J'ai bien compris, mais j'aimerais que tu le fasses. C'est le seul homme. J'exagère peut-être un petit peu, mais tu m'as fait dire en rouge. Comme ce client guéreux, Charles Boyer, puis grand fan à la vermette, tu l'appelles une crotte à côté de moi. Ah oh, oui! Faire dire ça par la plus belle des filles, qu'est-ce qu'il faut de plus à un homme? Je n'ai pas pour moi. On n'a pas gêné. Qu'on fait l'autre de notre présent tout le monde. Montez donc au moins. Qu'on fasse ça en famille. Ah! Bonne idée! Il y a un paquet pour toi. Pas un cadeau? Ah, c'est un petit lien tout neuf. Oh, je t'avais dit ça, c'est fait. Oh! Non! Un Kodak! Il est tombé. Oh, tu tombes! Hé, Germaine! Germaine! Il y en a dans un bon tout présent. Ah, oui, il est bon, en effet. Pourquoi que je t'ai à dépenser comme ça? Ah, tu sais, j'ai pas grand mérite. Pour être honnête, 100%, j'ai pensé à moi autant qu'à toi en te l'achetant ce Kodak-là. Un jour, il sera deux en tout cas. Ouais. Puis d'ici là, si jamais je prends le large, il servira peut-être à ce que tu m'envoies ta photo une fois dans l'avant. Ta photo que je collerai dans ma chaise en blasé. Oh, tu tords d'un amour de Kodak. Sans rire. Me le donnerais-tu, ce gomme-là? Tu es fou. Il est jamais garanti pour cette apparenté. Apparenté? Eh bien, c'est bête, mais je l'avais tel quel. Oh, s'il te plaît, prends-le pour ce qu'il vaut. Ouais, beau cher, ben cher. Tu peux pas savoir quel cadeau une fille fait à un gars comme moi. Ah, il donne un album de réveil. Il est encore à moitié vide, c'est en plein là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Ah, ce qui te tendra. Parce que là, on va aller danser. C'est ça. Moi, ah, t'as entendu le nouveau disque que j'ai acheté. Mettez, bien ce gars. Pas le premier venu, cher débutant, qui serait prêt comme moi à mettre à mon pied toute sa fortune comme ça, n'est-ce pas? Oui, oui. Comment ça, Jean-Paul? Jean-Paul? Bonne fête, maintenant. Est-ce que t'as fait? Ben oui. Et tu n'es plus là. J'ai oublié. Et viens voir le bouquet que tu n'as pas apporté. Oui, bonne fête. C'est quoi, Jean-Paul? Quand as-tu que tu as dit que je te l'attendais? Oh, je viens tout juste de décider ça, hein? Il y a l'air chiffonné. As-tu perdu un pain de ta tournée? Ben oui. J'ai parlé au sergent-major tout à l'heure. Tu l'as pas vu, toi? À compter de demain, on est transféré à la 6e compagnie. Avec un congé de 48 heures. Un congé? Oh, ça, c'est chic. Oui. C'est chic en haut. Je veux dire qu'on traverse là-bas tout de suite après. Mmh. Quand tu seras revenu. Pas avant. Ça va être un bien gros sacrifice pour toi. Tant pis. Je t'en demande moins que ça, tu sais. Je pourrais pas danser avec un ours. Je te remercie quand même. De ça et de tout le bonheur que tu m'as donné depuis.
Bonjour, Hitchcock. Bonjour, Padre. Alors, ça y est, on s'en va. On s'en va. Je t'empêche peut-être de t'ennuyer de faire la viande. Oui, mais c'est égal. Je vais avoir le temps de faire de mon goût. Ça doit être nouveau pour toi. L'ennui. Tellement nouveau que j'aime presque ça. Si j'avais pas rencontré elle, dans les larmes aujourd'hui, ni triste, ni gay, comme un animal, sans savoir ce que j'aurais pu faire, quand il cache pas avec une fille dans le cœur. Une fille qui me trouve beau, figurez-vous. Avant y passer, c'était de mots et c'était de mots comme ça. Ah, ça, c'est une preuve écrasante. Pas avec une fille qui m'aime dans le cœur et un album de famille dans mon sac. Un album de famille? C'est elle qui te l'a donné, monsieur. Si jamais le bateau coule, sauve ça d'abord dans une poignée. T'as pas été tenté de pousser ta mariage avant de partir, non? Tenté? Oui. Tous les jours de la semaine. Non. Épouser une fille? Vous connaissez un petit mois pendant que je suis parti, vous y avez jamais en 100 ans. Si mon père était loin de ma mère, quand je suis venu au monde, la misère corde dans l'œil, ça les regardait. Mais moi, quand mon petit arrivera, je serai là à côté de ma femme, aussi proche du lit qu'il y a moyen. Et lui, le petit, ben, il y a une vraie petite gueule, comme sa mère. Il a un cœur à bonne place, comme son père. Avec la différence que lui, c'est un enfant propre, en dehors et en dedans. Pas une trouvaille gueulelle comme moi. Alors, c'est pour être près de ton enfant dès sa naissance que tu pars. Bien, je m'attire, ouais. La providence, elle est bonne pour toi, sais-tu? Oui, tu es loin de se forcer au commencement. Depuis 2-3 mois, elle a assez bien fait des choses. Oh, puis j'en demande pas de bien plus. Parce que c'est lui qui me prévient à moi pour réussir ma vie sans vous. Ben non, moi, tu crois que tu vas ça? Vous n'irez pas de moi. Pas de danger. Moi, je n'imagine pas sénateur dans le Parlement, plus tard, ou dans le millionnaire d'un choix. Non. Moi, j'en rêve. Je me vois en tramway, un dimanche soir vers 7h15, avec mon petit nez bras, qui accroche après moi ma femme, bien propre, son sac de couche à main. Puis on s'en va veiller chez mon oncle ici. Mon oncle par alliance, mais mon oncle quand même, aussi. Le petit bâtard tout seul dans la vie, ni vie ni connue. Dans le tramway, il y avait un homme comme les autres. Bien ordinaire, avec son chapeau gris, son foulard blanc, sa femme et son petit. Pour un autre, ça peut être un bain, petit ami. Et moi, avec ça, je suis pignon du monde. C'est bon voir, je te félicite. Je ne suis pas de me féliciter. Un homme n'a pas de mérite à vouloir la seule sorte de vie qui pourra jamais être contente. La seule? Oui. Moi, une fois dans ta vie. Au-dessus de moi, en dessous, puis tout le tout. Sans ça, je ne pourrais jamais être heureux. C'est ça à quoi tu me fais penser. Tu me fais penser à une branche de pommier qu'une tempête aurait cassée. Si on la laisse sur le sol, là où elle est tombée, elle pourrira. Mais à condition d'y prendre un temps, on peut la greffer sur un autre pommier et lui faire porter des fruits, comme si rien n'était arrivé. Ça se passe à ce moment-là. En tout cas, on va la planter, la branche. Puis elle va tirer parce qu'elle est pleine de cercles. Je vous promets des mots, je ne passe pas. Comment est-ce que vous faites pour être bien, donc, vous autres? La meilleure manière d'éviter le mal de mer, c'est encore de pas faire autre chose. Avec le foie comme je l'ai, c'est bien dû. Allez, viens marcher un peu, ça va te remettre ta plombe. Au revoir, monsieur. Thank you.
Tiens, mes vieux. Ça va être mon beau-père puis ma belle-mère. Ouais, ben tu vas être bien entouré, là, toi. En tout cas, c'est lui qui voudrait être décrié devant moi, il ferait mieux de se protéger le dentier. C'est elle, ta blonde, là, avec son petit gars par la main? Non, non. Ça, c'est ma belle-sœur Claudia, avec mon neveu Jaco. Marianne, oh, y'a l'air. Ça fait un petit peu parler, là, toi. Depuis un an que ça dure, il est déjà pas mal fatigué de se faire embrasser, ce portrait-là. Le petit garçon, c'est... Avec l'insigne de première communion, le cierge jamais, puis la bouche ouverte, c'est Jean-Paul. Hé, Jean-Paul, viens-moi ta fiole. Au moins, elle dormait le dimanche après-midi ici, non? J'en pense, puis des meilleurs. Pour arriver au plus beau portrait de tout l'album. Mais y'a rien, cette page-là. Y'a rien pour vous autres. Mais moi, avec un peu d'imagination, je distingue très bien Mme Arthur Saint-Jean avec le petit Saint-Jean sur ses genoux. À moins que ce soit la petite, tu peux pas voir au juste. Il va à côté, là, l'air fendant comme un colonel à la tête de sa colonne. Il va te rendre le sexe. Hein? Je sais pas ce qu'elle fait, elle, par un beau dimanche comme ça. Oh! Pas grand chose de neuf. On était à la messe de 10h30, tous les deux. Et puis ensuite, on a fait la dinette, on a lavé la vaisselle. Juste un autre petit dimanche, là. Où sais-tu, Armand? Ça me sourirait de voir un beau film triste. Non? Non, je vais pas regarder le journal. On décide dans ça ton goût pour une fois. Après, si tu veux, on ira manger le spaghetti. Ouais. Les qu'on se rencontre? C'est ça. Oh, je sais pas ma vie, je pars. Bye bye. Tu m'en veux, tu l'es mal également. Viens-tu avec nous là? Non, merci. Il faut que j'écrive à ça. Mon Dieu, tu vas te tenir. J'ai pas donné de nouvelles de la semaine. Oh, quand même, sortir une fois de temps en temps, se changer d'idée. Ben là, c'est bien aimable de m'inviter, mais je vous dérange quand j'accepte celui-ci. Oh, petite fille. Tu vas bien de la ville pour rien. Hein? Qu'est-ce que c'est? Ça doit être ta tante Clara qui vient piquer une jambe. Oh, quelle sa jambe. Bonjour, M. Desilets. Bonjour, Jacqueline. Entrez. Ah, bonjour, petite fille. Bonjour, ma tante. Viens vous asseoir. Vous vous préparez à sortir, gaz. Moi, pour que je passe, mais maintenant, je ne vais pas décoller de la maison. Je dois juste ôter mon manteau une minute. Quand je reviens à faire après les bêtes, ça fait que j'ai dit, je vais pousser le poêle jusque chez Marie-Ange, en attendant l'heure catholique. Quel temps tu fais? Ben beau. Ça continue, on aurait eu un mois des morts. Idéal, ça n'est. Ah, oui. Il y a plus longtemps que tu as des nouvelles de famille chez vous. Ah, c'est oui. Mais moi, j'ai envoyé trois questions à ton père, tu sais. C'est chanté une grand-mère pour l'ordre de pas. Il m'a pas encore répondu. Mm. Je vais suivre la première idée, puis adresser mon argent directement au presbytère. Je te convie, ça tente. Allô? Ben non, il y a pas, je l'attends toujours. Ben non, je me demande ce qu'elle fait. C'est qu'elle a dirigé chez un de ses oncles. Oh, c'est dommage, en effet. Attends une minute, Léopold. J'entends quelqu'un qui m'a fait escalier. Je vais voir si c'est elle. Il s'en va de tout chercher une caisse de pomme à Saint-Hilaire, puis il voudrait t'amener faire un tour. Je suis absente, je te l'ai dit. Non, Léopold. Qu'est-ce que ça fait? Tiens, Léopold, homme. Non, Léopold. C'est elle qui est en haut. Ben oui, je comprends. Si vous voulez venir t'accepter, vous faites mieux partir tout de suite. Oui, certain, certain. Je dirais que t'as appelé. Moi? Pas entendu. Toi aussi? Non. Tant mieux. C'est ça. Bonjour. Et tu buses. C'est bien par contre que je veux pas le voir, lui. C'est le jeune bernard de ta chez nous, ça? Tu pourrais accepter son invitation une fois par trois mois pour que ça t'engage avec le grand-mère de tes enfants? C'est un peu que je fais de perdre la boule à longue. À cause de croiser comme tu le fais entre un portrait et une boîte de papier à lettres. Tu penses que tu risques de sortir en Angleterre, lui? Il me manque quelque chose, moi. Je suis en paix. N'empêche que c'est un garçon bien avenant, ce jeune dermette-là. Avec ça, son père est en moyenne, puis il va y laisser des piastres. Lui, de son côté, il nous rapporte un parti, oui. Il gagne un bon salaire, oui. Sa famille, c'est du monde en or, oui. Puis sa loge en plein nez, oui. Puis il m'énerve, oui, c'est tout. Enfin, tu vas être bête avec lui, c'est ton affaire. Bien sûr.
Bonjour, Monsieur Duclin. Bonjour, Jeanne. Bon après-midi. Merci. Oh, pour ta belle raison, Marie-Ange. Il y a quelqu'un qui peut sympathiser avec toi, ma fille, c'est bien moi. Bon, je peux bien te l'avouer, d'autant plus que tout le monde le sait. Moi aussi, j'en attendais un oiseau là pendant la guerre de 1914. Quand il est venu au bout de 4 ans et demi, il a porté tout de l'escogré et décidé d'appuyer sa mère dans l'Alberta. Je ne veux pas dire que le tien va faire de même. Pas en tout. Au contraire. Ça se pourrait bien qu'il te revienne, ton petit coq. Quoique ces enfants-là conçus directement dans le vice, ça me surprendrait que ça fasse du monde aussi fier que les autres. Autrement, il n'y aurait pas de justice pour les gens qui sont dans le devoir comme toi et moi. Je le répète, une fille est libre de courir le risque, mais à condition de penser à deux fois. Parce que si tu savais ce que ça passe vite, notre jeune femme, ça passe vite. Il faut attendre à mon âge pour le savoir. Tu t'endors un bon soir, fraîche comme une rose. Tu ne doutes de rien. Le lendemain matin, tu te réveilles bien fille. C'est là que tu commences à te bercer tout seul le dimanche soir chez le coin de Ferron. L'histoire de la nature, on n'en parle pas. Mais si t'as le malheur d'être faite comme n'importe qui, puis si t'es pas une fille qui se vergonde, t'en endures, c'est tout ce que j'ai à te dire. Heureusement que dans tout ça, bon Dieu est là pour égaliser les portions dans l'autre monde. En attendant, tu restes dans ton coin pour cette petite vie bien tranquille. Tellement tranquille qu'à l'autre, ça devient énervant. Quand ça te passe trop, tu parles seul, les gens t'en folle. Oui, Marie-Ange, attendre un homme, ça demande du penser-y bien. On peut se mordre les pouces plus tard sans que personne d'autre soit à blâmer. On veut tout. Qu'est-ce que tu sais de ce gars-là? Pas de raison. C'est pas de sa faute, il n'y a pas de famille, mais... Attends un peu. Quant à ma cassure, rassure-toi, c'est moi qui rien. Dans 3 semaines. Pas si vite. Dans 3 semaines. Dans 3 semaines, je tirerai du poignet. Ridons ça, vous voyez, c'est correct. Quant à ma cassure, je n'en peux pas d'en haut. Ma chère Marie-Ange, si la présente lettre est écrite avec les pieds, c'est pas ma faute vu que c'est Jean-Paul qui l'écrit à ma place. Remarque, j'ai été bien bon de te suggérer moi-même de commencer comme ça. Oui, oui, continue. Car j'ai eu le bras droit en écharpe depuis 3 semaines à cause d'une maudite cassure bête pendant les manœuvres. Maudite, c'est bien ça que tu veux mettre? Oui, oui, maudite. C'est une maudite cassure bête, c'est tout. Je suis allé m'étendre à terre en sautant d'un camion. C'est pas encore avec ça que j'aurai la croix Victoria. D'où ça sort, cette farce-là? J'ai ajouté ça. Je la trouve plate, peut-être que l'environnement. C'est pas le temps d'écrire des photos. J'étais trop de bonne humeur, je peux bien ficher le camp. Je perds une partie de mon congé du jour de l'an pour venir ici écrire une lettre d'amour à ma sœur. Ah, qu'est-ce que tu veux dire, Philippe? Un peu de caractère indépendant. Ça le bras droit puis dans le plat. Ça veut donner des nouvelles coûte que coûte. C'est mal pris comme une souris dans le plat. Et malgré tout, ça trouve un moyen d'être belle comme ses filles. Mais je m'en dirai pas. Cette là, il faut qu'elle parte. Ça fait 3 semaines que tu as empêché d'écrire. Si ça continue, Marie-Ange va être inquiète. Inquiète, peut-être pas tellement. Marie-Ange? Ouais. Je suis prêt. T'es pas fêlé le cerveau ici en parlant? Ouais, je crois que c'est tout. Mais qu'est-ce qui te fait dire ce blasphème-là? On va la changer depuis quelque temps. Elle oublie de t'appeler mon trésor ou bien? Elle t'écrit moins souvent? Ouais, mais quand même chose, après semaine. On entend les lignes, il faut les lire, c'est là. Je sais pas si elle est malade ou fatiguée ou en train de me tuer sans tes doigts, mais il y a quelque chose de louche qui se passe, ça c'est sûr. Ouais. Ma soeur, c'est une fille correcte. Michel, t'as promis qu'elle t'attendrait. Craint pas de tenir sa promesse. Justement, c'est peut-être tout ce qui retient sa promesse. On va jamais du tout à un bras. Oh, il y a longtemps que ça me trotte dans le crâne.
J'ai même dans mon sac une lettre que j'ai écrite. Regardez, mais je l'ai enlevée si ça continue. Qu'est-ce que tu lui racontes là-dedans? Et si tu as rien dit, elle est parfaitement libre de changer d'idée pour ce qui est de ma tante. C'est de l'amour que je veux, pas de la qualité. Ouais. Pense-y donc un peu avant de jeter à la poche ton billet doux. Des fois, on veut faire l'indépendant. On ouvre la porte pour montrer à l'autre qu'elle peut partir si elle en a envie. Eh, c'est sûr. Mais la porte ouverte, ça fait un courant d'air. Elle attrape un petit colis, puis elle souffre, comme notre faute. Oh, en mettant les choses au pire, ce qui vous arrive, c'est une petite brouille par correspondance. Ouais, un an et demi qu'on s'écrit. Si je pouvais donc y parler face à face, mais non. Toujours bien que ce bout au petit papier. Pas attention de te casser l'autre bras, là. T'as envie de me faire lire et tes faces plates, toi, tu peux être content. Je suis Dieu. Chacun a sa façon de consoler ses amis. T'as vu une autre manière. On peut bien se coucher à terre et chialer tous les deux pendant une couple d'heures. Ben, ça m'étonnerait qu'on soit plus avancé après. Écoute, petit coq. Cesse donc de faire la ville pour rien. T'es cassé un bras bêtement, ça t'agace, puis tu vois tout en noir. D'autant plus qu'à la suite de cet accident-là, tu vas être changé de service. Tu sais qu'on va prendre chacun son côté, puis tu pourras pas m'engueuler pendant un bon bout de temps. Tu penses que je vais transférer, moi? Je suis certain, tu peux compter dessus. Non, plains-toi pas. Pendant qu'on retournera se mettre au blanc de l'autre côté de la Manche, tu courras une chance, toi, d'être nommé commis de bord par quelques messes. Le monde y va mettre, penses-tu qu'il tourne toujours autour d'elle comme dans le temps? Oui, il n'y a pas de chance. Tout le monde est de mon avis dans la famille. Parce qu'après dire, moi, c'est ça ma crainte. Ils se mettent tous contre moi là-bas. Il n'y aura qu'à voir. Il n'y aura pas un choix de prendre ma défense. Là. En ce qui me concerne, on me donne une chose bien vaseuse. T'es mon frère plus que personne. Puis, je serai aux oiseaux pour toi si un bon matin, je pouvais te servir de père dans la grande allée avec une rose à la boutonnière et les cheveux coupés d'un rat. Ouais. En attendant un jour de béni, il faut que s'écrive, c'est le plan. Moi, je devrais être au camp 5h15. J'ai des ordres à donner au général. Ouais. Où est-ce qu'on en était, là? Quant à ma cassure, assure-toi, dans 3 semaines, je serai du poignet. Mon plus gros embêtement, c'est que je peux pas gesticuler du côté droit en parlant. Allô? Docteur? C'est la force du village, ça te disait. Hey! Vous vous souvenez de moi? Ah, là, là! Ben oui, je t'ai vu voir au mois de janvier pour faire rien. Ben, tu dis de revenir aux alentours des jours grasses, ça n'est pas mieux. Hé, ça fait rien, c'est pas mal pire, ben. Je le dis. Ben oui, 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 ben, ça arrive pour l'après-midi, là. Oh, mais pour que je prenne le train à ce moment-là, si j'ai le goût. Hein? Ah. Carré, c'est un. Compte ici, oui. Je serai là à 4h15, avec mon 5 piastres à la main. Comme ça? T'as pas mal de la fontaine qui est dessinée? Oui, au niveau loin. C'est pas. Faut bien que je me trouve une maladie. Avoir le carême, sans ça, le. La mère va se mettre à propos. Tu vois, faudrait que tu traînes de l'ail. Je suis pas malade. C'est une bonne idée qui est là, ton psau. Oh, petite fille, c'est une voyage inerte. En tout cas, si l'ouvrage te passe trop, lâche tout, viens te poser à la maison, porte-le-en. Pour être encore capable de te faire vivre, tu sais. En se privant un peu. D'abord, ça va faire un lien du bien à l'avenir de manger un peu moins. Ça va coûter moins cher que d'élargir les portes à cause d'elle. Ouais, si tu es en parfaite santé, il y a une chose certaine, c'est que tu as la larme facile. Écoutez, monsieur Lissé, je vais vous le dire, moi, si tu as mon dessus. T'as la première carte pour toi. Qu'est-ce qu'il y a, je ne vois pas? Il n'y a qu'à se mettre d'aller danser, cet enfant-là. C'est depuis plus d'un an et demi que son petit coq est parti, elle s'est renfermée comme une blette dans son trou. Ça ne sort pas? On parle à personne! Quand tu me marchais, elle, tu aurais pu se manger en salade pour danser. Elle t'allait prendre des vêtements de s'en priver aussi longtemps que tu serais là-bas. Avec le résultat que là, c'est toi qui sais pas de tenir sa promesse. Ouais. Aujourd'hui, on est bien mal. C'est le samedi gras.
ça a du sens. Elle sait qu'il n'y a pas de remède pour rappeler tantôt qu'elle n'a rien qu'à dire oui pour y aller, elle aussi. Puis tourner au milieu de sa place comme une possédée jusqu'à l'aide de 5h30 le matin. Mais non, c'est la petite folle. C'est pas de tromper un homme que de danser pas de temps dans le temps avec un autre. Écoute, Marie-Ange. T'es sûr que c'est pas bien gros de danser à son? Pour te morfondre, tourner le sang comme ça aux amis, il faudrait que tu sois bien certain de l'aimer, ce petit gars-là. L'amour, l'amour. Pour ce que ça veut dire, après tout, je t'assure que ton ange, on t'en fait bien plus qu'il y en a. Ça sort du couvent, ça tombe des bras du premier venu, puis après ça, ça va plus clair. Ça va, puis moi, une fois, moi, j'achète lui, son scope. Cette fois du même mec que toi. Pour nous autres, c'était un petit soldat, pas de famille, qui a dû passer 3-4 jours à la maison pendant les fêtes où j'y vais. Ça nous a eu l'air d'un petit job, très sympathique. Mais on ne savait pas d'où il venait. On les a pas connus, ça. Il t'a fréquenté quelques semaines. Puis là, depuis quasiment 2 ans, il est allé se battre à l'autre bout du monde. Si jamais il en vient, le bon Dieu tout seul à savoir quand ça va être et comment. Ça vous a montré ce qu'il a écrit dans sa dernière lettre? Il disait, c'est toujours libre. Faudrait pas te croire obligé de m'attendre seulement parce que tu me l'as promis. C'est de l'amour que je veux, pas de la charité. Je m'éteins, 3 ans, elle peut te caresser à vous, pas de ce genre-là. C'est libre. Il était en train de te tailler une porte de sortie de son côté. Bon, non, c'est vraiment son père, c'est d'aller à l'Ottawa canadien, avec des Anglais, des Français, des Hollandais, qui se font du fait qui? Ben, il y a ça, c'est ton idée, là. Attendez. Attendez jusqu'à la fin du monde, ici, là. Après tout, c'est bien à toi. Ça avait le droit de m'arranger à ton goût. Attends, t'as bien plus loin. On a fait ce qu'on a voulu de l'anneau, pour ne pas demander la permission. Ben. Tu disais Germaine tantôt, là, c'est quel bon sens? Il faudrait changer d'idée un peu, bon sens! Ça va être si tu veux mon avis, tu vas sortir ta gaieté des Goulamites, tu vas te mettre ton 36, et tu vas aller leur montrer comment faire un tour de policier dans la place, une petite cuisinette satisfaite. En tout cas, vous pouvez compter sur moi. On vous laisse tamponner dans le cuisinier dominion. Puis, laisse-toi faire. Autrement, je te donne des tapes sur les fesses, comme quand tu es tout petit. Il n'y a pas trop d'amour. Fais le temps, papa.
Ça va mal. Tant que ça. Alors, parle, mon petit coq, je suis pressé pour la vie courte. Allez. En tout cas, on va encore tourner la porte récemment. D'avoir quoi? Ce qui s'y passe. Depuis trois mois, j'ai passé une sacrée vite. Hein? Oui, trois mois que j'attends, maudit. Trois mois que je peux constater, t'as essayé de comprendre, puis je veux savoir. Êtes-vous au courant de quelque chose, vous? Je m'en posais comment veux-tu que j'en sache plus long que toi. Non, pas du tout rien dit. Non. J'ai à peine entrevu depuis un mois. Et pourquoi tu n'y as pas écrit? Il y a sans doute des nouvelles de sa famille, lui. J'ai envoyé une lettre de deux mois, puis un autre 15 jours après. Il m'a pas répondu. Puis ça, c'est louche. Il y en a vraiment entendu, c'est sûrement ce qu'il va t'annoncer tout à l'heure. Si, ça. Ma Champagne. La compagnie s'est vient juste de rentrer au camp. Je l'ai fait demander, mais ici d'une seconde à l'autre. Si c'est quelque chose, il va te le dire. Oui, il va me le dire. Parce que moi, je peux plus vivre comme ça, il faut que je sache. À propos, j'ai obtenu du commandant la liberté immédiate. De toute façon, vous pourrez passer l'après-midi ensemble. Vous ne faites pas votre réunion trop trop tard, hein? Si on te lâche en parole, c'est pas pour que tu perdes d'or, encore une fois. Oui. Allez, ma bonne! Parle, ma bonne! C'est pas le souper! Non, mais c'est pas tout! Bah, tiens, quelqu'un veut perdre, peut-être pour tenter de boutiner! Quelle bonne nouvelle, d'après moi, toi! J'en ai pas! T'as pas l'air bête pour rien! Tu sais ce qui se passe là-bas, tu vas me le dire! Je veux parler au padre! Non, ben, il y a en pleine face! Ça passe moi que je me prépare, je m'attends, fille! Parle ou je te descends les dents d'un coup de poing! C'est bon, c'est toi qui l'aurais voulu! Il faut que ce soit vous qui vous preniez l'affaire en place. Je voudrais bien moi, que je lui parle mal et que je lui fasse une peine du diable. Le 24 mai dernier, avait lieu dans la plus stricte intimité, en l'église. Ça n'arrange rien que j'ai honte pour elle. C'est pas en train de juger, mon beau Dieu. Et où est-il allé, lui? Un bonjour, la nouvelle arrive, puis t'es rassuré, tout simplement allé. Ça soulage le cœur, l'angoisse est là. Ouais, je veux pas en faire une goutte, c'est ça. Ah, bien sûr, c'est ça, c'est de mes affaires. D'abord, pense à elle en anglais, ça me meurt, quand. T'as la bourse à avoir le français d'un bout à l'autre, puis ils savent m'en aller à quoi ça va. Moi-même, je comprends rien à toutes les maudites que. You love me, baby. Oh, very much. Ma bonne devient que je te connais, puis déjà, je t'adore les vivres que tu as avec. Non, non, c'est ça. Hein? I said, mon nom, c'est ça. Ah, chanté. Elle, je l'appelle tout de même. Mais non, mais c'est la cause, mais... Mademoiselle, tu te mets. Crains pas, là, c'est un nom que je te donnerai à l'heure. Là, c'est ta gueule. Ok, c'est ma femme d'ailleurs qui m'énerve. Là, c'est fini. Dommage, parce que j'ai été bien heureux, aussi. C'est plus 100 ans, c'est qu'à prétendre la même. Ouais. Prétendre la même pour l'éternité, même un peu plus. Are you sure you love me? Entre nous deux, tu me dis. Je pense pourtant l'avoir fini pour la vie avec des gueules comme ça. Tu me rappelles mon jeune temps. Avant le commencement du monde. You have got the money, baby. Haven't you? The money? Toi, tu m'aimes pas, dis. Ça chaud au cœur, mais t'as trouvé le temps de la saison. You're cute. Ok, c'est madame-là pas plus que le client, moi. T'as pris signe quand le moment du réseau. Femme, cache la boisson, je me suis curé. Ah, bien faire cette visite de Barbara. Ah, bonjour, cher ami de la famille. Bienvenue dans notre modeste mais confié petit haut. J'ai une autre chose à faire. Eh, a priest. My God. Now, run along like a good girl. Thank you. Hey. What's your daughter?
C'est pour faire la charité puis ramasser des mérites pour le ciel d'école. Ton âme, on te l'a sauvé une fois d'école. Il n'y a pas question de ça, mon petit gars. Je suis venu pas par amitié. Oui. Dans ce cas-là, pense au salon, t'es bienvenu. Et c'est ton nom de baptême, vous l'avez vu? Oui. Ok, tu dis. Viens ton cas à toi, puis viens prendre un coup avec moi. Dans le fond, on devrait faire deux. Parce que cette pauvre jeune vierge anglaise est en train de s'amouracher de moi. C'est perdu. Et je serais parti laissant un autre cœur brisé dans mon cigare. Ah, parce que j'ai toujours été un gars chanceux. On va commencer le jour de naissance. Il était né enfin l'enfant tant attendu. Un beau ragoton de quelques livres quand. Il s'est fait une longue allégresse qui se croit à l'école. Il s'appelait à la mère supérieure. Encore un peu. Encore un peu et on me nommait Désiré. Je ne sais pas ce que je vais faire de mon corps, est-ce que. À moins que j'entende religieux. Ah oui, ça se porte beaucoup après les grandes déceptions. Révérend frère Picoc, vos parents vous demandent au parloir. Il me semble que je vois beaucoup. Tu ne fais pas des parents demain. Tu m'alèves. Je compte là-dessus. Tu m'alèves quand même parfois. Ça va me faire une belle distraction. Parce que la boisson, tu sais, c'est comme l'amour. L'effet passe vite, mais le temps que ça passe, la vie est belle. Au soleil mio. Bonjour. Tu craques. Tu penses pas qu'il vaudrait mieux de finir ça au camp? Là, tu pourrais boire à ton goût, puis te coucher quand tu serais fatigué. Ah oui. Parce que moi, j'aurais pas tant de plaisir à tenir la scène. Non, ben viens ton temps. D'autant plus que tu dois partir demain à midi pour prendre le bateau. Et il faudra que tu sois sur le pont avec les autres. Hein? Ah oui, c'est vrai? Ben oui. On retourne dans nos foyers demain. Oui, demain. Avec la satisfaction du devoir accompli. Quand on va arriver là-bas à Tanger après au vrai. Parce que la Croix-Rouge va être en gare. Avec du café de l'île. Après ça, un règlement de panne. Des bandages. Ah oh oui, parce que cette histoire-là, c'est pas fini. Allez, viens, mon petit coq. C'est pas fini. Et dans par Dieu. Dieu qui nourrit les pauvres petits oiseaux abandonnés. Il ne pourra pas les empêcher le moment venu de lâcher leur bras. Ça va bien, mon Dieu. Et c'est là qu'il y aura des pleurs et des grèves. Pas de mon bord, moi non. Parce que de mon bord, ça va rire à mon tour. Ça va rire jaune, mais ça va rire. En mousse, tu réponds, évidemment. Ça fait que j'ai décidé d'attendre. Ça? Tu l'as appris, tu l'as gâté au lycée? Ben oui, j'ai gardé l'appartement seul quand même. Marie-Ange s'est mariée, Marie-Ange s'est mariée. Dis-le, c'est bien simple, pourquoi tu en es? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu t'en doutes bien un petit peu? Non. Jean-Paul a dû vous mettre au courant de mes projets sans même plan de temps d'acheter son sac à tête. Ben non. Ben voyons, là. Pas grand conscience? Bon. Si tu tiens à faire l'innocente jusqu'au bout, je vais pas être obligé de te le dire en blanc noir. Je vais avoir. Marie-Ange? Ouais. Pauvre-toi un mardi? Tu sais que ça va te donner? Rassure-toi, j'ai pas l'intention de me prendre après. Seulement, je tiens à éviter ce que je pense d'elle. Tu ne viens plus pour cela. Les temps sont durs, ma chère, on pense ce qui passe. Tu ne pas venir, Marie-Ange, parce qu'elle est en voyage. Où ça? Elle est en menti. Je regrette infiniment, mais t'as menti. Tu as pensé un peu tard à celle-là. Mieux que ça, je peux te tirer les cartes, mon petit affront, que vous avez passé la soirée ensemble. À vous demander quelle gueule vous feriez si jamais je vais apparaître sur le tableau. Seulement, vous m'attendiez moins vite.
Ah non, c'est bien qu'elle est en ville. Elle quittait son cher mari comme ça, ben... Chut, qu'elle ne voudra pas te rencontrer. Ah bon? Mais elle ne voulait pas le permettre. 32-17 de l'heure. C'est bien ça son adresse? Si elle tient à ce que j'aille jouer ma petite scène devant le mari, de tout moyen de s'entendre. Il y a de la police, tu sais qu'on t'est manigance là. Ah, voyez donc, ça fait un mot qui vaut procès. Si l'intimité du jeune ménage peut y gagner, moi je suis en faveur 100%. Parce que vous allez l'oublier, j'ai rien à faire là-dedans. Je suis sûr que tu n'es pas défendu. Ah, ça fait mal, les voisins. En fait, tu me sers pas mal de tout le monde. Et tu voudras pas? Dans les parcs à côté. Sur le banc où on avait coutume de s'embrasser le soir. Ça me rappellera le bon vieux temps. Comme j'ai un train à prendre à 4h20, je l'attendrai à 3h tapant. 3h, les hommes sont à l'ouvrage, c'est le bon temps de parler aux femmes mariées. Enfin, je lui fais le message. C'est ça. Demain, dans le parc à 3h. Je t'avertis, hein. Que Jean-Paul se mêle de ses affaires, vous en aurez du cassage de gueule. D'ailleurs, ça va se faire vite. 5 minutes au plus. Juste le temps qu'il faut pour arracher une dent pourrie. Une dent qui peut agacer longtemps sur la néglige, puis faire un abcès. T'as compris? Oui, j'ai compris. Dans ce cas-là, j'ai plus rien à dire. Bonsoir. J'ai un petit café. Il va t'en voir. Jean-Paul avait raison tantôt. Ça n'est peut-être pas une bonne affaire que tu le rencontres. Je suis d'avis que ça te causera surtout de la peine pour rien. Évidemment, tu sois l'aide de Gérard Daguis. Si tu décides de le voir, je ne ferai pas l'affront de t'espionner. Depuis un mois ou deux, Marion, j'arrive pas à comprendre ce qui se passe dans ta tête. Il y a des jours où t'as l'air bien loin de moi et de la maison. Ça fait que je me demande souvent si t'es heureuse avec moi et que tu mériteras de l'être. En tout cas, je tiens à te dire aujourd'hui que moi, je t'adore. Même si je suis trop gênée pour te le répéter souvent. Je serais prêt à faire n'importe quoi, à m'arracher le cœur pour te faire plaisir. Je vois ce que l'avenir me réserve, mais tu peux être sûr que j'arrêterai jamais de t'aimer. Et t'es plus ma femme. Parce que le matin de notre mariage, je savais ce que je faisais quand j'ai promis d'être ton mari pour la vie. En tout cas, tu sauras, j'entends que les têtes peines, puis les têtes dues, il est trop tard pour ça. Comment tu m'entends, j'avais refusé de rencontrer? Cherche que ta page aurait pu mener. Qu'est-ce que tu peux t'en faire? D'autant plus que Léopold tout court, hein? On ne sait jamais avec ces caractères bêtes-là. Parce que là, il va la faire tantôt. Il va l'engueuler comme du poisson pourri. Ça va lui donner raison sur toute la ligne pour en finir au cul de pain. Puis ensuite, comme il disait hier, ni vu ni connu, il prend le bain quelques l'ennemi. En tout cas, moi, je dis qu'elle est mariée à ça, puis il n'y a plus d'affaire à elle. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ben, alors, moi, je vous l'ai dit en arrivant à midi. Et je suis toujours du même avis. Ça serait bien mieux de ne pas le rencontrer. Lui, si elle a peur qu'il lui fasse la misère, ben, c'est bien de penser qu'il vous ramène. Hein? Thank you.
une saloperie. Une saloperie pour qu'elle paye ma pauvre fille de bâtard pendant 2 ans. En jurant la bouche collée sur la mienne que tu m'aimais comme une perche. Une saloperie. Je regrette de t'avoir fait l'honneur dans le temps d'être respecté comme une cinquième, au lieu de te prendre comme la première rue. Maintenant, émasculine-toi. À part ton mou du souvenir. Et j'arriverai bien à m'en dégrasser le cœur. À force de me rentrer dans la tête que des femmes aussi fidèles que toi n'entraînent à tous les points de vue. Je te demande pardon. Quoi? Je te demande pardon. Jamais je te pardonnerai d'avoir menti tout ce temps-là. Que jamais menti. Si tu m'avais aimé, tu m'aurais attendu. Que jamais menti. C'est la peur que je passe ton petit bonheur en or qui te fait te ravaler devant moi, tu peux redresser les chemins. Parce que je vais disparaître des environs comme une roche dans l'eau. Si tu as eu des torts, la vie, je ferai bien de te punir pour moi. C'est déjà puni tant, je suppose, sois tranquille. Puni? Je suis pas plus heureuse que toi, si tu peux te contrôler. Heureuse? À quoi ça rime, ça? Il t'aime pas, lui, hein? Il t'aime pas? Il m'aime. Il t'aime, alors pourquoi tu es malheureuse? C'est ce que j'ai à te dire. Quand une femme est malheureuse après 3 mois de mariage, on vient de se casser la tête pour trouver le bobo. S'il t'aime, lui, c'est toi qui l'aimes pas. Il n'y a pas d'autre façon d'en sortir, c'est toi qui l'aimes pas. Ah, tu l'aimes pas. Ah, ça me venge de lui, le maudit, ça me venge de lui. Alors, si tu l'aimes pas, si tu pouvais pas l'aimer, ça serait peut-être que t'en aimes un autre. Je t'en prie, docteur. Ça serait peut-être que t'en aimes toujours un autre à qui t'aurais jamais menti. Il faut la vérité pour quand tu me la fous. Si c'est fait, dis-le, je t'en suis. C'est tout ce qui compte. T'es tout pour moi. À moi, il n'y a rien qu'à moi. Non, il est trop tard, tu sais bien. Non, il n'y a pas trop tard, pas encore, parce que moi aussi, je t'aime. Je t'aime encore même. Je t'aime, je te prends, pas partout, je te prends. Je t'ai trompé bêtement, je suis plus digne de toi. Tu viens de prouver, c'est pas ta faute. C'est pas ta faute, je te crois. Je te crois quand tu me dis que tu l'as jamais aimé. Mais lui, il m'aime, lui. Non, tu peux pas vivre toute ta vie avec un homme qui t'a fait la force de te prendre sans s'inquiéter de savoir si t'étais belle à lui. Sans te demander 100 fois si tu l'aimes pas encore. Sans t'assommer de questions comme tu l'as fait moi, sa place. Je suis mariée avec lui. Marié, tu sais ce qu'il veut dire pour l'homme ici. Il veut rien, c'est pour moi. Parce que s'il y a une bénédiction de plus de son côté d'avalance à lui, de mon bord à moi, il y a le droit que j'avais sur toi avant lui. Il y a le mot que t'as pour moi, que t'as jamais eu pour lui. Puis ça, ça ne m'allume pas plus qu'un paquet de faire part, un contrat, 3 copies de ton affaire. Ah, que je serais prêt à payer n'importe où. D'ailleurs, lui, il y a toute une famille pour l'investir large, mais moi, j'ai personne au monde à votre poste. Sans quoi, Marianne, je suis perdu. Si tu me tends pas la main, je coule comme un noyé. Tout ça, t'as réussi. Donne-moi au moins le temps d'étudier. Le temps, non. Le temps, il y a 2 ans qu'il travaille contre nous. Faut pas y avoir la chance de nous séparer encore une fois. Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Je pourrais mettre le temps. Tu partiras avec moi. Et tout va commencer. Comme le premier soir où je t'ai amené la première fois que je t'ai embrassé et que je t'ai appelé tout seul. Bien, avec lui.
encore avec lui. Qu'est-ce que tu dis? Je l'aime. Je l'aimerai toujours. Mais t'es pas pour partir avec lui? Si je l'aime, c'est égal. Ce que je suis, c'est que tu pourrais pas l'aimer. Mais une femme qui lâche son mari pour un autre, tu sais ce que ça vaut pour tout le monde? Si je dois avoir honte de quelque chose, il faut l'avoir attendu de lui. Et d'avoir pris un homme que je n'ai pas. As-tu pensé à la peine que tu nous ferais? À ta mère? Et à moi? Oui. Je sais que vous aurez du chagrin. Je le regrette. Mais je ne serai pas plus à blâmer que vous l'avez été tous ensemble, quand vous m'avez jeté presque de force dans les bras d'un autre. On t'aime tellement. Vous serons clairs, nous autres, c'est peut-être... Si vous m'aimez tant que ça, vous serez content de voir heureuse. Mais ça fait pas une demi-heure que tu l'as vu. C'est pas possible. Oui, j'en passe, je suis prêt. Je tâcherai de réparer le mal que je lui ai causé. Je suivrai aussi longtemps qu'il voudra moi. Tu passes la porte avec elle, toi. Ça sera après que je t'aurai cassé la tête en bas, là. Écoute, mon garçon. Quand t'es venu manger à ma table il y a 2 ans, j'étais loin de me douter que tu amènerais le malheur dans la famille pour nous récompenser des bontés qu'on a eues pour toi. Mais la part du service, auprès de ma fille, je veux que tu saches que tu mettras jamais les pieds dans la maison avec elle. J'aurai honte de vous deux, le jour de ma vie. J'ai raison de partir avec elle. Mais tiens, prête aussi. Fait que tu pourras pas faire autrement que de me parler du bon Dieu et de ses commandements. Avec tes péchés au bourreau comme le bras. Tu peux y aller, mais je te préviens que tu perds ton temps catholique. Je te parlerai pas de religion. Non. Parce que le péché, oui, Dieu. On a été fait là-dedans, nous autres, les moines. C'est notre père, le péché. C'est lui qui nous aime. C'est à quoi il connaît. Il nous en impose moins pour rester la chrétienté. Mon Dieu, je m'arrange avec lui quand t'as sorti du chute dans le coup. Parce qu'il y a l'esprit d'âge, je ne comprends pas le bon sens. Il nous introduit à terre en cachette par la porte dans la vieille. Il a pas le moyen de me sentir ouvert ici de la même façon. Il a peur. C'est que le commandement, père et mère, tu en auras. Ça, je tiens à avoir avec lui comme ça. Est-ce qu'il y a un commandement qui ne me regarde pas et puis il y en aura plus? Dieu est infiniment juste après ce que tu chantes. Alors, il serait bien possible d'admettre que tu me bâtis avec quelqu'un pour aimer vous aussi. Même s'il m'a lâché dans la vie du seul comme un chien perdu. C'est même possible d'admettre que tout ce qui m'a donné à aimer, c'est cet enfant-là. Puis que je n'ai rien à faire pour la perdre. Puis je dois mon petit bonheur, moi aussi, me faire venir pour qui. Parce que je t'en prie, tu es la perdre. Voilà. Voilà ta Marion. Pars avec elle. Oui, c'est vrai, Dieu est infiniment juste. Mais quand tu paraîtras devant lui, il ne pourra peut-être même pas t'en vouloir. Tu l'auras payé tellement cher, ton petit amour défendu. Tellement cher que tu en auras déjà expié tout le mal sur la terre. Alors, Marie-Ange, tu veux quitter ton mari? Dans l'espoir de vendre heureux un pauvre diable qui mériterait bien de l'être. Il est tout seul. Il n'y a rien que moi, moi. Eh bien, tu te trompes. C'est son malheur que tu vas faire. Son malheur à lui, il tient. S'il s'agit de nous apprendre qu'on ne peut pas être heureux en ce moment, à moins d'avoir les deux fesses bien assises super, on dédie, je vous l'ai dit, Goubelotte. Il n'est pas question de ça, je te répète. Non, parce que le mariage est encore possible pour nous autres. Il n'y a pas de divorce dans votre sorte de religion et à l'ailleurs. Dans un cas comme le vôtre, jamais. Ça, c'est à voir. Même ailleurs, pour divorcer, il faut des raisons. Légalement, as-tu quelque chose à reprocher à ton mari, Marie-Ange? Sa conduite envers toi semble irréprochable. Je l'aime pas, c'est tout. Aucun tribunal ne trouvera cette raison-là suffisante. Dans ces conditions, tu pourrais la demander la dissolution de ton mariage. Tu l'obtiendrais jamais. Puis l'autre, tu n'en aurais pas des raisons, lui? Oui, ton mari aurait des griefs contre toi, Marie-Ange.
Et crois-tu qu'il consentirait à divorcer pour que tu deviennes la femme d'un autre? Allez, allez, réponds. Réponds franchement. C'est pas le temps de mentir. Il ne voudra jamais. Si la loi est contre nous, on s'en passera du mariage. Parce que des ménages qui n'ont pas de choix dans le doigt, il y en a des tas. Il braille pas enfant de l'homme à chaque fois que tu es rabondage. Un autre pourrait peut-être s'en accommoder tant bien que mal de la vie qu'elle t'offre. Et toi? Jamais. Qu'est-ce que j'ai de si différent, moi? Toi? Il y a 2 ans, tu t'es rendu compte que le jour où une jeune fille propre t'épouserait, elle te sortirait de ta honte et de ton isolement pour te donner un foyer, l'affection d'une famille, le respect de toi-même et celui des autres. Et dès ce moment, tu t'es juré au plus profond de ta volonté que tu ne connaîtrais jamais d'autre destinée que celle-là. Est-ce que vous allez te déterrer là-haut? Peux-tu encore lui offrir ce bonheur-là, Marianne? À lui. Tu ne pourras jamais épouser. Et ta famille vous dira. Écoute là-bas, tu sortiras pas de là. Veux-tu que je te rappelle tes propres paroles? Un beau soir, tu serais l'homme le plus important de la terre. Car tu aurais dans tes bras la merveille des enfants. Et à tes côtés, ta femme à toi. Une petite femme toute neuve. Et tu t'en irais embrasser ta famille, la sienne, la plus belle du monde. Celle que tu montrais fièrement dans l'album que tu portais tout le temps là-bas, sur toi. C'était là le seul et le plus ambitieux de tes rêves. L'as-tu dit ça, oui ou non? D'accord, je le voulais, tout ça. Je l'oubliais quand même, mon petit papier. Mais maintenant, c'est fini, c'est perdu. Raison de plus, pour que je la garde, elle a eu tout ce qui me reste. Rien n'est perdu. Sauf elle. Tout ce que tu voulais est encore possible avec une autre. 100 000 femmes peuvent encore te tenir. Puis l'amour, qu'est-ce que vous en faites? L'amour? Ouais, l'amour. Ça compte pas dans votre monde, mais dans l'autre, ça compte. Si on est monté du doigt, si on se touche 5 ans, on y enlevait. On arrivera bien sur le carré. La même, elle. Ça me concernera tout le reste. Parce que l'amour, c'est fort. C'est plus fort que tout, vous savez. Si c'était si fort, l'amour, elle t'aurait pas oublié, elle. La grande amoureuse qui aujourd'hui aurait le courage de te suivre dans un pays inconnu et de braver l'existence de misère que tu lui proposes aurait eu la force de t'attendre 2 ans. Mais bon, votre manière, je ne te rien. Parce que je t'ai pas donné. Tout ce que t'as fait, c'est effacé, c'est fini, comprends-tu? Tu lui pardonnes? Oui. Parce que la faiblesse humaine, c'est faite pour les humains. Il y a tout péché miséricorde, rappelez vous ça. On peut tous faire pardonner, même d'avoir tué. Mais le pardon ne ressuscite pas ce qui est mort, ça n'efface pas les conséquences. Je les accepte, les conséquences. Pour le moment, oui. Sans trop savoir ce que tu dis. Et pour combien de temps? Ah, je te jure, Marianne, que je t'abandonnerai jamais. Les jours où tu te battrais contre la tentation d'aller chercher ailleurs ce que tu voulais, ce que tu voudras toujours, qu'est-ce qu'elle aurait, elle, pour te retenir? Elle aurait l'enfant. L'enfant qu'elle peut encore me donner. T'en voudrais pas de cet enfant-là, mon petit coq. Parce qu'il serait comme toi. Un bâtard. Par sa faute, à elle. J'ai dit que je suivrais aussi longtemps que tu voudrais de moi. Mais tu veux plus de moi à présent, je le vois bien. Tu veux plus de moi. Voilà, on voit clair dans tout ça. Va-t'en sans regarder en arrière, jamais. Tu oublies-moi. Non. Oui, tu vas m'oublier. Que je t'ai volé, il faut qu'une autre femme te le rende. Va, Nicole. Va.